Aujourd'hui, les amis, je vais vous présenter mon test d'un des aspirateurs les plus innovants, les plus intelligents du marché actuellement. C'est le D-Bot T30 Pro Omni de la marque Ecovacs. Vous en avez marre de nettoyer à la main, ou alors vous avez déjà un aspirateur robot qui s'en mêle dans les cheveux, dans les poils, bref, qui ne fait pas le job vraiment parfaitement. Et bien, le T30 Pro d'Omni, avec toutes ces technologies, il va vous permettre de faire ça bien et de nettoyer bien votre domicile. Mon test du T30 Pro Omni, c'est parti, c'est maintenant! Commençons par regarder un petit peu de plus près ce T30 Pro Omni et aussi sa base. Au niveau du design, le T30 Pro Omni va se différencier surtout sur sa base par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et oui, la base est beaucoup plus design, beaucoup plus belle que ce qui se fait actuellement sur le marché et même ce qui se faisait avant chez Ecovacs. Commençons avec la base, on va bien entendu retrouver tous les éléments principaux qui constituent une base auto-aspirante et auto-nettoyante de serpillière, c'est-à-dire un bac d'eau propre et un bac d'eau sale. Ça, bien entendu, c'est pour la partie serpillière. Après, pour la partie aspiration, on va retrouver des petits sacs qui vont capturer, qui vont vider le contenu de ce que l'aspirateur aura aspiré. Lorsqu'on déballe ce T30 Pro Omni, on voit que tous ces éléments sont assez compacts. On est sur une base pas très imposante, une base bien faite, bien designée, qu'on aime. Lorsque maintenant on s'intéresse à l'aspirateur robot, on va voir différents éléments qui vont prenez la technologie et l'innovation, notamment lorsqu'on va le retourner. Oui, quand on va le retourner, on va voir différentes technologies, comme la technologie True Edge, qui est présente sur les serpillères. Et oui, les serpillères vont être des serpillères circulaires, rotatives, qui vont désincruster le sol, mais cette technologie True Edge va permettre aussi à une des serpillères d'aller plus loin pour pouvoir racler et nettoyer les bordures. Cette technologie True Edge, on va y revenir juste après, vous inquiétez pas. Lorsqu'on regarde maintenant la bouche d'aspiration principale, avec bien entendu aussi le rouleau de brosse principale, on va aussi voir une forme assez sympa. Et oui, le D-Bot T30 Pro va embarquer la technologie Zero Tangle Anti-Tangle. Cette technologie va éviter l'enchevêtrement des poils et assurer une aspiration efficace. Bref, ça va lui permettre d'aspirer des poils, des cheveux, sans s'en mêler directement sur la brosse. Bien entendu, ça, on va revenir au niveau des performances juste après. Là, on finit un petit peu le tour du propriétaire. À savoir que cet aspirateur est disponible aussi en 3 coloris. Le blanc, le noir et le rose poudré, qui est aussi très joli. Au niveau de l'aspiration, on va le voir sur le terrain juste après, on a une aspiration puissante de 11 000 pascal. Et bien entendu, toute la technologie qui va permettre à cet aspirateur de détecter des obstacles et de faire le mapping de votre domicile, qui est la technologie True Detect 3D 3.0. Combiné à cette technologie, on aura aussi du coup le True Mapping 2.0 qui va garantir une cartographie précise et rapide avec la possibilité de cartographier 100 mètres carrés en seulement 6 minutes. Et ça, cette technologie va être sur le sommet du robot. Voilà un petit peu pour le tour du propriétaire. Maintenant, on va voir les performances. C'est parti. Et oui, avant de voir la prise en main avec l'application que je vais vous présenter dans la partie juste après, on va voir un petit peu ces technologies que je vous ai évoquées, ce que ça allait donner sur le terrain avec des déchets, avec des obstacles, et on va voir comment ça se débrouille. Commençons par cette fonctionnalité anti-tangle. Grâce à ces brosses que je vous ai montrées avant, je vous ai dit que l'aspirateur allait pouvoir aspirer que ce soit des cheveux, des poils, sans s'en mêler. Regardons comment ça va marcher. Je vais mettre directement des poils d'animaux, des cheveux par terre. L'aspirateur va passer, va les aspirer, et comme je vous le disais, avec le design de son aspiration, de ses brosses avec directement les différents poils, il n'y aura pas d'enchevêtrement et tout va permettre d'être aspiré de façon parfaite. Maintenant, regardons un petit peu cette serpillière, cette technologie qui va permettre à une des serpillères d'aller raser les murs. Et oui, lorsque l'aspirateur va être proche d'un mur ou d'une bordure ou même d'un obstacle, cette petite serpillière va permettre de faire gagner du volume de nettoyage à l'aspirateur et directement, grâce à cette technologie, de coller les murs. Que ce soit pour un coin, pour contourner un fauteuil, c'est plutôt pratique. Et surtout, du coup, combiné à cette technologie True Detect pour détecter les différents obstacles. Lorsque au sol, vous aurez des obstacles de différentes tailles, de différentes formes, l'aspirateur va les détecter. Que ce soit des objets volumineux ou même une paire de chaussettes, l'aspirateur va passer à côté. Et maintenant, vous allez demander ce que ça donne au niveau aspiration et au niveau de nettoyage. Moi, je peux vous dire que je le fais passer directement après un repas avec mes enfants parce que c'est le chaos. On peut dire que mes filles sont assez créatives, surtout la petite dernière, au niveau de la répartition de nourriture sur le sol. Que ce soit du liquide, que ce soit du solide, il y en a partout.
Quelquefois, je vais pas vous mentir, j'ai un pré-lavage grâce à un de mes chats, mais j'envoie directement au niveau d'une zone, on va en parler juste après dans la prise en main, au niveau de la zone autour de la table, l'Omni qui va y aller, le T30 Pro, et qui va nettoyer ça. Et je peux vous dire qu'au niveau de l'aspiration, avec ses 11 000 pascals, que ce soit pour aspirer des céréales, des croquettes, il n'y a aucun souci. Et au niveau du lavage, même la sauce tomate est nettoyée parfaitement. Ce qui est aussi plutôt pratique lorsque je lance un nettoyage directement de tout mon domicile, ça va être aussi la technologie des serpillères qui va lui permettre de relever la serpillère lorsqu'il y a un tapis ou autre, et qui va lui permettre du coup de nettoyer, de personnaliser le nettoyage en fonction d'où il se trouve chez moi. Après, bien entendu, pendant le nettoyage, il va revenir à sa base pour soit nettoyer les serpillères, soit vider l'aspirateur. Et bien entendu, tout est personnalisable avec l'application, et ça, on va le voir maintenant dans la prise en main. Et oui, le T30 Pro Omni, on va pouvoir l'installer facilement. Le positionner, positionner la base, remplir l'eau propre, remplir, vider l'eau sale quand on a besoin. Mais il va falloir bien entendu, au début, l'initialiser et initialiser le mapping. Le mapping se fait très vite de votre domicile, mais après, ce qui est vraiment intéressant, ça va être de personnaliser la carte, puis sur l'application, activer des options, activer des programmes, bref, personnaliser pour ne plus avoir rien à faire. Et ça, on va se retrouver du coup sur l'application Ecovacs. Sur l'application Ecovacs, directement, je vais avoir ma carte qui a été prise. Là, c'est ma carte, je vais vous montrer directement comment la personnaliser. Vous voyez, là, il y a une zone qui a été nettoyée, c'est la zone de ma cuisine autour de ma table que je fais. Et pour cartographier votre maison, vous allez pouvoir directement lancer une cartographie et après vous allez pouvoir personnaliser votre carte. La carte va être personnalisable, vous allez pouvoir créer des pièces, créer des zones où il ne faut pas aller, bref, vous allez pouvoir tout faire et même créer différents étages, différents étages directement de votre carte. Ensuite, vous allez pouvoir lancer des nettoyages et les nettoyages, vous allez pouvoir les personnaliser soit en automatique, soit par pièce, soit par zone. Et pour chaque nettoyage, vous allez pouvoir choisir votre préférence. Est-ce que vous voulez qu'il aspire, qu'il nettoie juste, qu'il aspire et nettoie en même temps, ou qu'il aspire puis nettoie. Vous allez pouvoir gérer le débit de l'eau en le personnalisant, en fort, faible, élevé, max, le passage de nettoyage, la puissance d'aspiration et même la vitesse de nettoyage. Tout ça, ça va être gérable directement et vous allez pouvoir du coup le lancer. Il y aura aussi la possibilité d'accéder aux paramètres pour programmer des nettoyages. Vous allez pouvoir programmer des nettoyages pour le lancer tous les jours, à un endroit, dans la cuisine, etc. Au niveau des autres options, vous aurez la possibilité de relever automatiquement le temps pour serpillière, d'activer les paramétrages intelligents, comme le True Edge qu'on a parlé, le nettoyage profond, le lavage profond intelligent, et il y aura aussi d'autres réglages, comme le verrouillage enfant, qui permettra à vos enfants de pouvoir, de pas pouvoir envoyer directement l'aspirateur d'eux-mêmes, la reprise automatique, la sensibilité 3D True Detect, bref, vous aurez la possibilité de même le commander au pied. Il y aura aussi la possibilité de paramétrer un assistant vocal. Ça, c'est pour les plus tech d'entre vous. Voilà pour le test de cet aspirateur robot, sa prise en main, la possibilité de choses que vous allez pouvoir faire avec. Si vous voulez en savoir plus sur ce D-Boot T30 Pro Omni, je vous mettrai bien entendu en description le lien pour aller l'acheter ou pour avoir plus d'informations sur ce produit. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.